regardez RPTV chaque jour sur YouTube. Le lundi, nous avons Opinion Pao. Mardi, Opinion Pam. Mercredi, Réalité quotidienne. Le jeudi, Promotion totale. Vendredi, les grands dossiers politiques. Samedi, Coupi culturel TV show. Dimanche, Moment spirituel. RPTV, Nawela. Amis téléspectateurs, nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, son émission que nous faisons chaque samedi sur RPTV dans YouTube. Écoutez que nous longeons bas où les informations à caractère culturel qui dominaient l'actualité pour la semaine écoulée. Émission ça a gagné deux parties, une partie information, une partie promotion. Dans la partie information, nous avons trois éléments d'information capables d'intéresser. Yunada, c'est malheureusement une triste nouvelle, c'est le décès de Bidji, ainsi connu, et c'est sous nom ça qu'elle a fonctionné dans la communauté haïtienne. C'est un monde qui a gagné Broward Flyers, qui un pile monde capable de connaître dans Fort Lauderdale, qui a fait un pile Flyers, poster, et non seulement pour business haïtien principalement, mais également pour un pile belle fête, un pile promoteur de musique haïtienne. Bidji a perdu la ville récemment. Nous-mêmes dans RPTV, nous avons rendu hommage à Flyer, designer ça, qui était touché en pile haïtien dans Fort Lauderdale, Florida. L'autre information dans l'émission Jeune aujourd'hui, il y a l'orchestre New Baz, qui est en formation musicale qui n'a pas trop longtemps depuis qu'il existait. Nous apprenons que New Baz a fait de grands pas dans la musique haïtienne. Non seulement orchestre programmé pratiquement vendredi prochain dans Little Haiti, côté que le pourra jouer gratis pour le grand public, mais nous apprenons également que de août à décembre, Kavina, orchestre en boucle pour un pile belle soirée, Navini, avec un reportage concernant New Baz, Cap Bienfell, dans HM Island. Et puis, amis téléspectateurs, nous pourrons parler de CNN Heroes. C'est un programme à caractère culturel qui mettait en avant pratiquement des mounes qui fait un pile belle bagaille, un pile gros bagaille dans la vie. Mes amis téléspectateurs, nous comptons pour nous annoncer que Gagnon Haïtien, qui est sur la liste des 20 personnes qui pral choisi pour venir yon héros pour la chaîne de télévision américaine CNN. À l'émission du jour, yon reportage sous question ça. Et puis, dans la deuxième tranche émission, les grands rendez-vous, nous gagnons 4 grands rendez-vous, amis téléspectateurs, pendant le mois d'août. Napoteo pour vous, yon après l'autre, après la pause. Nous tous invités dans la cérémonie grande ouverture de Jimina Health and Services Center de Trinity Point Medical Center cap déroulé samedi 17 août 2019 là, de 11h du matin à 2h de l'après-midi dans 1511 Prosperity Farm Road, Suite 100, Lake Park, Florida. Jimina Health and Services Center, c'est un centre médical qui vient bailler la santé à moun qui a souffri tension, cholestérol, diabète, impotence sexuelle, infection vaginale et l'autre maladie qui vient déranger la vie. Dans la session service, là, vous faites examen avec DNA pour immigration, physical exam pour élève l'école, application pour food stamps, Medicaid avec l'autre service communautaire, tant pour assurance pour affordable healthcare avec Obamacare. Jimina Health and Services Center accepte Pifocat Assurance et a l'ouvri à partir du samedi 17 août 2019, du lundi au vendredi de 9h du matin à 5h de l'après-midi, avec Every Other Saturday de 10h du matin à 2h de l'après-midi. Casson rendez-vous dans 561 847 47 94 ou bien visitez clinique là, dans 1511 Prosperity Farm Road, Suite 100, Lake Park, Florida, ou bien online dans jiminahealth.com. Samedi 17 août, 11h du matin pour 2h de l'après-midi, dans cérémonie Grand Opening Jimina Health and Services Center ou pas Capala. EVA Solutions Balti Services, faut connaître que c'est un pont entre ou même avec le pays d'Haïti. EVA Solutions Balti Services est basé dans Fort Lauderdale, Florida, et il paraît pour le capable service extrait archive, baptistère, certificat mariage ou soit décès, légalisation document, paiement impôt locatif pour mettre caille qui vient bien dans le pays d'Haïti et qui vive à Borisite. Jugement rectificatif pour monde qui a un problème dans baptistère, relais 954 406 84 83. EVA Solutions Balti Services fait service immobilier dans le pays d'Haïti, gestion de paiement des loyers, achat-vente de maisons dans le pays d'Haïti,
gestion de propriété pour mettre caille qui vivent à l'étranger. EVR Solutions Multi Services qui a aidé à créer compagnie légalement pour faire business, ou soit organisation non gouvernementale, adoption, divorce dans le pays d'Haïti. Enfin, mes amis, depuis son démarche qu'on a mené dans le pays d'Haïti, c'est les services à la clientèle EVR Solutions Multi Services dans 954-406-84-83 ou bien qu'à son rendez-vous pour un tête à tête dans 7777 Davy Road, suite 302B dans Hollywood, Florida. Téléphone 954-406-84-83. EVR Solutions Multi Services, c'est la compétence, la rapidité, prix abordable pour chaque client. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue au développement de l'actualité culturelle à Rupi Cultural TV Show pour cette fin de semaine, les amis téléspectateurs. Premier élément d'information à l'ordre du jour, c'est plutôt une triste nouvelle, c'est le décès de Bidji. Bidji, c'est un homme que en pile monde te kon identifié sous nom ça dans la communauté haïtienne, non, dans Fort Lauderdale. Il était à la tête Broward Flyers qui fait un pile poster, flyer pour business avec pour un pile promoteur dans la musique haïtienne. Malheureusement, Bidji est de la ville suite à un accident de la circulation. Plus de détails à travers ce reportage qui est également un hommage à ce citoyen que nous te connais également. Né en mars 1978 et décédé en juillet 2019, Bougin Gédéon alias Bidji était très connu dans la communauté haïtienne Floride comme PDG et designer de Broward Flyers, qui à l'origine d'un pile belle flyers pour les plus belles fêtes In and Out of Florida. Bidji mourit suite à un accident de la circulation en provenance de Orlando le mois de juillet écoulé. Producer, créateur de beats et inspirateur graphique pour flyers et posters, Bidji quittait derrière les petites filios que l'était qu'on chérit en pile en public. Les funérailles de Bidji déroulées samedi dernier dans l'intimité des parents et amis du défunt dans RPTV. Tout honneur et respect à la mémoire de Bidji qui était qu'on produit les flyers et posters de la télévision pendant ces trois dernières années. Que son âme repose en paix. Ici Jude Ronseret, non pas M. Roupé, pour RPTV. Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Choubou Enterprise annonçait qu'il traversait dans un nouveau local pour le cas plus bien servi ou dans le domaine taxes, assurances, crédit repair, immigration et l'autre encore. Au 9777-B West Temple Road, Coral Springs, Florida, Choubou Enterprise, Paris pour aider. Relais 754-229-22-72, qu'à son rendez-vous dans Choubou Enterprise. Tax services tout anéant. Life insurance en bonne et due forme pour tout le monde. Crédit repair, immigration, TPS, bill pay, citizenship, traduction document, notaire public, transfert l'argent sous place avec l'autre service financier ou qui a besoin, la poula dans Choubou Enterprise, qui est dans 9777-B, West Temple Road, Coral Springs, Florida. Casson rendez-vous avec Fritz Dorvillier ou bien Florence Léon, s'entendez à toutes affaires réglées. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. L'actualité culturelle se poursuit, amis téléspectateurs, pour cette fin de semaine en Rupi Culturel TV Show. Gagnant l'orchestre New Bass du maestro Edzer, qui a bien fait dans la musique haïtienne. Faut dire que New Bass a fait grande première ligne dans le mois de juin qui s'est passé là. Nous sommes là, nous sommes présents, et puis nous sommes capables de songer. Et l'orchestre, depuis lors, a multiplié les contacts pour capable bien passer dans HMI. Nous apprenons que New Bass va jouer vendredi prochain. Du côté de Little Haiti Cultural Center, gratis, chéri, pour tout le monde capable de découvrir l'orchestre. Et puis, nous apprenons que de août à décembre 2019, l'orchestre censé book
une série de belles dates en pile côté. Plus détails à travers ce reportage de notre collaboratrice Carmel. Amis téléspectateurs, c'est avec un pile que content que nous-mêmes dans RPTV nous apprenons que jeune formation musicale New Bass a fait des grands pas de géant dans le monde de la musique haïtienne. Après grande sortie que l'été fait, l'été réussi CD avec vidéo, dans décollage dans Hollywood, Florida, en juin qui sont passés là, nous songeons très bien, RPTV était là, New Bass a de belles affiches qui ont venu. Pour le mois d'octobre, New Bass pourra bien performer dans Orlando. Pour le mois de novembre, New Bass pourra bien faire dans Brasserie Creole dans New York City. Pour le mois de décembre, New Bass pourra performer encore mes amis dans Orlando. Et plus près de nous, vendredi 16 août 2019, dès 7h du soir, New Bass à l'affiche dans le Lorraine Cultural Center pour une performance live côté pour laguer bon compas sous nous. Et puis c'est gratis, si chéri, pour tout le monde. New Bass a bien fait, mes amis, dans HMI là. C'est comme elle démontré pour RPTV. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Hall of Fame Production invite tout le monde à venir fêter dimanche 1er septembre 2019 dès 10h du soir dans Grave Night Club de Sunrise, Florida, dans Les Beaux Days, soirée carnaval, la belle époque, au rythme de Claude Marcelin, live band qui prend le fin fanatique DP Expression revive le bon vieux temps pendant que la exécuté des anciens et nouveaux hits. Également à l'affiche dimanche 1er septembre 2019 dans Grave Night Club de Sunrise, Florida, l'excellente formation musicale Arrosé Troubadour n'ayant performance mémorable. Animation musicale avec DJ Crazy C, invité spécial Nadia Assad, candidat pour City Commissioner dans Lauderhill, Florida. Dimanche 1er septembre 2019, Grave Night Club 4519 North Pine Island Road, Sunrise, Florida, Claude Marcelin Live Band, Arrosé Troubadour, admission $20. Pour tickets et informations, les Jodia dans 954-479-99-84. La soirée Claude Marcelin Live Band playing DP Express dimanche 1er septembre dans Grave Night Club de Sunrise, Florida, est placée sous le haut patronage de Caribbean Divas, la clinique du docteur Claude Douze, Sunrise Medical Center, clinique du docteur Alex Gay, Rupi Production Television, Radio Mega, 1580 AM, Pitlis.com, Ken and Vital Law Offices, Carmel Catering Services. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. L'actualité culturelle se poursuit, amis téléspectateurs. Gagne la chaîne de télévision américaine CNN qui annonçait que gagne un yon haïtien sur la liste des 20 candidats nous capables de dire pour venir yon héros sous antenne CNN. Haïtien ça, la vive dans le pays d'Haïti et pas n'importe qui côté dans le pays d'Haïti, la vive dans Cité Soleil. Daniel Tilias, petite Cité Soleil, sous liste pour venir héros de l'année 2019 sur la chaîne de télévision américaine CNN. En effet, chaque année, la prestigieuse chaîne de télévision américaine CNN rend un hommage mérité à une dizaine de personnalités remarquables qui a œuvré dans l'humanitaire. Et aujourd'hui, gagne un citoyen ça, qui c'est Daniel Tilias, qui vit dans Cité Soleil, qui soulisse pour le capable venir héros de l'année 2019. Monsieur Daniel Tilias est responsable du programme Sakala, qui c'est centre communautaire pour des alternatives pacifiques, qui offrit aux jeunes de Cité Soleil la possibilité puis au capable bien coup l'espoir dans la vie. Aujourd'hui, Daniel Tilias est sur la liste des 20 personnalités retenues. L'équipe CNN est rentrée dans le pays d'Haïti pour être capable de vérifier l'importance des travaux de ce militant pour la paix. On peut signaler que M. Daniel Tilias a gagné pratiquement ce programme qui portait nom Sakala et côté qu'il a une dizaine d'années depuis qu'il a offert aux jeunes de ce quartier pauvre et démuni de Port-au-Prince un espace pour être capable de jouer une récréation par le sport, le loisir
et l'éducation. Li également a lutté contre les violences qui gagnent dans la communauté et li gagnent, mis à part les récréations, li gagnent également une bibliothèque, un terrain de football, de basketball ainsi qu'un jardin communautaire. On a pu signaler que le programme CNN Hero 2019 qui gagnait plusieurs années depuis que la paix déroulée sous antenne télévision Sarah, li choisi yon groupe de 20 personnalités qui fait partie de yon premier détachement. Nan jou ki a vin la yo, yo pral réduit ces 20 personnalités à 10 et c'est à ce moment que yo pral déraper le grand programme Hero de l'année 2019. Le programme Hero de l'année 2019 prévoit $10,000 américains pour 10 finalistes et moun qui censé remporter premier prix a recevoir $100,000 pour la cause communautaire. Cérémonie de remise de prix a déroulé en décembre 2019 dans occasion grand événement final CNN Heroes, hommage aux stars qui va retransmettre dans le monde entier. Donc je l'ai jodi an, amis téléspectateurs, Daniel Tilias, petite Cité Soleil, grâce à programme Sakala que le gagnait dans Cité Soleil, sous lice 20 personnalités qui pral rentrer dans finale CNN Heroes. Il y a un dossier qu'on a suivre. Ici Jude Onseré, non pas M. Roupi pour RPTV. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue à notre segment d'émission Les Grands et Vos Amis Téléspectateurs, côté que nous partageons avec vous-mêmes toute une série de belles affiches Capvini, son segment d'émission qui normalement t'a supposé faire plaisir à tout promoteur de la musique haïtienne, puisque son espace que nous gagnons, une plateforme que nous offrit pour capable promoter en pile belle affiche Capvini. La première si en pile promoteur qui fait nous confiance, et c'est pas sans raison, il fait nous confiance, c'est parce que il joint résultat. Et c'est ça qui est plus important. Premier grand rendez-vous, amis téléspectateurs, c'est pour cette fin de semaine. Une fin de semaine qui définitivement gagne en pile grand affiche la donne. Youn la dan yo, c'est dans Casa Champêtre de Pembroke Pines, Florida. Côté que à Souéa même, gagne pratiquement une organisation qui c'est les amis de cabaret qui prêt à l'organiser le premier fundraising puis capable de mettre camper dans cabaret, une clinique qui prêt à desservir la communauté haïtienne du côté de cabaret. Il y a deux orchestres à l'affiche, c'est Takage Band avec Anti-Stress Band. Amis téléspectateurs, présence ou tape très apprécié pour une bonne cause dans le pays d'Haïti. Les amis de la ville de Cabaret vous invitent tous au premier grand fundraising pour la mise en marche de Cléa Centre Médical de Cabaret samedi 10 août 2019 à Casa Champêtre de Pembroke Pines, Florida. À l'affiche, l'excellente formation musicale Takage Band en performance live et le groupe musical qui apporte toujours la bonne humeur Anti-Stress Band. Double plaisir pour les mélomanes, samedi 10 août 2019, de 9h du soir à 2h du matin, au 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida, Casa Champêtre Restaurant. Admission $50 par personne, dîner complet inclus, messieurs, dames. Ticket en vente à l'avance seulement, n'aurez les Rose Exantus au 954-213-74-82 ou bien Raymond Exantus au 754-204-66-17. Sur Semoun, Cabaret, Guiton, L'Évêque, Deschapelle, Dubuisson, La Baudrie, Sous-Matelas, Duclos et l'autre côté. Et si aussi haïtien qui veut les progrès pour pays d'Haïti ou Pacapala, samedi 10 août 2019 dans Casa Champêtre pour supporter existence Cléa Centre Médical de Cabaret. Autre grand rendez-vous amis téléspectateurs, c'est Afrique en couleur. Afrique en couleur, c'est un événement qu'a fait demain dimanche là. Et côté que les propriétaires de Afrique en couleur, t'as aimé que nous partager avec vous que c'est un magasin que Afrique en couleur y est, un magasin qui spécialisé dans le costume africain. Et demain dimanche là, il a fait pratiquement un gala d'ouverture. C'est pas que y a l'ouvrir business pour aller venir visiter, non. Il a fait un événement côté que nous pral gain opportunité pour nous ouais des artistes qui performer, nous pral manger ensemble, n'a bien musique et puis surtout n'a bon défilé. Et pratiquement qui pral montrer rad sa yo qui pral disponible pour un pile monde dans communauté hein. Nos amis téléspectateurs ou même qui déjà pratiquement bay non pour venir participer dans événement ça,
n'ap content rencontrer avec vous demain dimanche là. Messieurs, dames, la société, nous tous invités dans Viewing Gala Grand Opening Afrique en couleur, qui est un magasin spécialisé dans le costume africain haute couture, qui a déroulé dimanche 11 août 2019, de 1h de l'après-midi à 6h du soir, dans Polish American Club, qui est dans 935 Rock Island Road, North Lauderdale, Florida. Joue dimanche 11 août 2019, là, 1h pour 6h, Chita Relax, pour assister à défiler les plus beaux costumes africains, performances des artistes Roland Sherazard, Tony Félix Live Jazz Band et l'humoriste Gester Mésidor. Vin passer un après-midi inoubliable dimanche 11 août 2019 1h-6h dans Polish American Club qui est dans 935 Rock Island Road, North Lauderdale, Florida, dans Grand Opening Ceremony du magasin Haute Couture Afrique en couleur. L'entrée est entièrement libre, free brunch pour tous les invités, mais dit important pour réserver place ou dans les 347-861-3976 347-861-3976 ou bien visitez Afrique en couleur gala date eventbrite.com. RPTV à plat, Nawela. Autre grand rendez-vous, amis téléspectateurs, c'est pour le samedi 24 août Cap Vinla. Son date cap est avancée à grands pas. C'est date qui est pratiquement retenue par les variétés de Sabine qui a célébré un nouveau printemps ou bien souvelé on l'autre été. Les variétés de Sabine, c'est l'organisation qui l'a pour le capable planifier les grands événements dans la vie d'une personne, ou même qui a marié, ou même qui a fiancé, ou même qui a souhaité tête ou bien aux amis, aux familles, un heureux anniversaire, ou même qui a organisé n'importe quel événement qui demande déplacement famille, amis, grand public, ou même qu'a organisé un grand dîner ou besoin que li paraît grandiose pi belle et rete un souvenir mémorable. Eh ben on connaît que c'est Sabine Jean-Jacques qui c'est une référence dans le domaine, et Sabine organise propre fête partout pour capable montrer et démontrer et tout ça que li gagne comme talent. Donc amis téléspectateurs présents sous, t'as très apprécié samedi 24 août k'ap vin la dans belle soirée anniversaire les variétés de Sabine avec Harmonique. Les variétés de Sabine vous invitent à la célébration de son 5e anniversaire qui c'est un all-white affaire comme célébré Anessa dans la prestigieuse salle de réception de Fountains Country Club qui est dans 4476 Fountains Drive, Lake Worth, Florida, au rythme de l'excellente formation musicale Harmonique. Animation musicale à l'intermède avec DJ Fredo Dera. Défilé de mode avec Award Winner Designers Astrid Roy et David André. Maître de cérémonie Rupi the Entertainer. Décoration extravaganza. Ambiance de haute portée classique. Appetizer à dîner, c'est coupé douette. Les variétés de Sabine célébrées en pimpant. Nous toutes nous deux là pour nous capables de bien fêter. Tenue en blanc, messieurs dames. Et dames qui gagnent Pibel Radin Blanc à recevoir un cadeau de Azuri Spa. Admission $100 par personne, dîner complet inclus, les places sont limitées. Pour acheter ticket par Jodia, relais 561-315-1466, 561-906-7466 ou encore 516-424-5741, les places sont limitées. Samedi 24 août 2019, dès 8h du soir, viens fêter le 5e anniversaire des variétés de Sabine avec Harmonique dans Fountains Country Club de Lake Worth, Florida. RPTV à plat. Nawela. Autre grand rendez-vous, amis téléspectateurs, c'est dans Atlanta, Georgia, organisation de promotion Sac Passé Atlanta, qui habitué Fell, qui habitué bien Fell, à Fell encore. Samedi 31 août prochain, ou même qui dans Georgia et les environs, on n'est que pas grand pile route. Dans Georgia, son seul route que lié, a gagné J-Beats, a gagné Queen Blondie, a gagné Mika Ben, tous les trois, donc seule soirée, sous même podium, en présence nous toutes à la Ronde Badet. Ou pas capable là. Sac passé Atlanta, invité toute mélomane dans Georgia, vine bien fêter samedi 31 août 2019 là, dans Royal Ballroom de Peachtree Corners, avec jazz, café moun danse à J-Beats.
Également sur le podium, la sensation du jour, Queen Blondie, artiste invité de la soirée, l'excellent chanteur Mika Ben. Allons, belle soirée, messieurs, dames. C'est samedi 31 août 2019, l'an des 10h du soir, dans Royal Ballroom, qui est dans 6185 Beaufort Highway, Peachtree Corners, Georgia, avec J-Beats, Queen Blondie, Mika Band, à DJ Mad Max. Soirée Happy Birthday, beau! Admission $30 à l'avance, piche à l'emporte, pour ticket pour la relais jeudi, 678-308-03-62, ticket à vendre tout dans Lucita Accounting Firm, qui est dans Marietta, dans Internet sacpassé-atlanta.com ou VIP Religios dans 678-308-0362. Amis téléspectateurs, tout est dit, tout est fait à cette nouvelle édition de Roupie Culturel TV Show. Nous apprécions que vous êtes là pour capable garder, attendre, suivre, prendre note de ce qu'a fait l'émission. Ça, c'est rendez-vous samedi prochain pour l'autre Roupie Culturel TV Show. Bon week-end et à la semaine.